Oh, coucou les lapinettes et les lapinous, je suis remise de mes émotions. Si vous voulez savoir de quoi je parle, ben, il faudra aller sur les aventures de Sissi, qui d'ailleurs diminue, 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 diminue en abonnés. Alors, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Donc, je vais vous montrer la petite Léa qui a eu des petites modifications. Alors, ne me tombez pas dessus, ce n'est pas comme ça qu'on fait du routine, je le sais parfaitement. Et les aiguilles ont cassé une par une. J'ai essayé de mettre de la colle et la colle est trop sèche. Donc je me suis débrouillée toute seule. Voilà. Alors, pour la totote modifiée, moi je l'ai coupée, sauf que ma colle, comme je viens de vous le dire, n'est pas bonne. Donc, il faudra que je rachète de la colle pour mettre le petit aimant. Moi, je fais comme ça. Hein. Et puis voilà, ça c'est la sienne. Elle va mettre celle-ci. Alors, je vais vous pencher sur elle et vous allez voir ce que j'ai modifié chez Léa. Voilà ma petite Léa. Attendez voir. J'ai énormément travaillé dessus aujourd'hui. Il y a ma puce. Oh, dis donc, maman, elle t'en a fait voir de toutes les couleurs, mon poussin. Alors, je lui ai mis ce petit bandeau. Attendez, vous n'êtes pas tout à fait. Voilà. Hop, on va retirer ton petit. Voilà. Elle a des petits cheveux, notre petite Léa. Eh oui. Alors, j'ai d'abord. Attends, ma puce. J'ai d'abord changé la couleur de ses cheveux parce que il y avait des coulures, je n'aimais pas, c'était pas beau, et après je pouvais pas retrouver la même couleur évidemment. Donc ce que j'ai fait un châtain, mais ça ne me convenait toujours pas. Alors du coup j'ai dit bon bah je vais t'implanter des cheveux, mais les aiguilles se cassaient, tout ça. J'ai fait oh on va bousculer les convenances, et puis du coup, on va faire comme je peux. Voilà. Alors, du coup, bah, vous voyez, hein, voilà. Alors, ils sont collés, tout simplement. J'ai fait une petite coupe. Voilà, les trop belles malières. Voilà, c'est la mienne. Elle va nulle part. C'est Malia. Donc, je fais ce que je veux. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, du coup, je vais la changer parce que j'ai taché son body avec la peinture. Alors du coup, bah, on va en profiter pour la changer. D'abord, il fait très beau. Allez, mon petit poussin, je la kiffe, Maléa, je la kiffe. Et voilà mon petit cœur. Voilà, elle est toute choupinette. J'ai refait ses petits sourcils de la bonne couleur. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Hop. Regardez-moi ces cuisses. Regardez-moi ces bonnes cuisses. Hop. Allez. On va changer le petit body. Body body. Et puis ensuite, j'irai quand même me reposer. Ah oui, alors, sur cette chaîne-là, bon, je n'ai pas fait la vidéo en double, mais je suis rentrée de la clinique, vous voyez bien, puisque je suis là. Ça s'est bien passé. Ils m'ont posé un stent et je suis sortie samedi matin à midi. Voilà. Donc, voilà une partie de l'opération qui est faite. Et la prochaine, eh bien écoutez, ce sera le double pontage. Voilà, ma petite Léa. Ah, elle est trop chou, mais regardez, elle est trop chou. Ma fille, elle me disait, elle fait un petit peu typée comme ceci, ou comme ceci. Et c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu es trop belle. Oh, tu es trop belle. Bon, la couche, hein. Alors, c'est un petit peu la puce. Donc, voilà, vous avez pu voir que machin. Enfin, pas ma Charlotte. Disons que j'étais la famille d'accueil de la petite Charlotte, qui a beaucoup voyagé.
Et petite Charlotte a donc élu domicile chez Zabou. Zabou présentation que beaucoup connaissent bien sûr de mes abonnés. Et elle est contente et du coup elle l'a rebaptisée, elle l'a changée et je suis super contente que cela lui plaise. Voilà. Voilà. On verra que je l'échange ainsi, mais là, je vous avoue que j'ai trop forcé aujourd'hui et du coup, je suis fatiguée. Mais je voulais finir et puis je voulais refaire des vidéos parce que moi, rester inactive, c'est pas le top. Et puis je sais qu'avec l'opération, ce sera pas la même chose. Mon chéri d'amour m'a dit, tu vas voir, tu vas être cassée, donc il faudra bien te reposer. Et ne pas faire le kéké comme je fais actuellement. Regardez, regardez. Hein, elle n'est pas choupinette, cette petite. Elle n'est pas choupinette. Et va mon cœur. Voilà. Tout petit bout de chou. Toute petite Léa. Trop jolie, ma puce. Hop, il faudra que je lui trouve d'autres vêtements. On verra, on verra. Alors, j'avais l'intention de lui mettre cette petite robe. Je vais lui passer par les pieds. Parce qu'il fait un peu plus chaud. Par contre, il faudra que je lui tricote. Ah, ben si, j'ai les petits chaussons, mais j'ai pas cousu le bouton. Ah, ça lui aurait été parfaitement bien. C'est pas grave, je vais le faire. N'ayez crainte. Hop. Et voici la petite puce. C'est une petite robe que m'avait offert ma filleule. Et vous allez voir qu'elle va lui aller très très bien. Voili, voilou. Hein, ma puce. Attends, mets ta tête comme ça. Donc du coup, ben là, ses petits cheveux. Parce que le hairpainting, je ne suis vraiment pas douée. Je ne sais pas faire. Et quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon ben, on va t'implanter des cheveux. Sauf que je vous dis que les aiguilles. Oh, regardez. Elle s'est mise toute seule comme ça. Les aiguilles cassées les unes après les autres. Et du coup, c'était pas terrible. J'étais pas contente, contente. Qu'est-ce que je vais te mettre, mon poussin? Attendez voir. Alors par contre, je ne la coifferai pas parce que c'est pas fait pour. Parce qu'ils ne sont pas implantés. Je sais très bien comment on fait. Voilà. On les implante et on les colle de l'intérieur. Mais voilà, comme je n'avais pas le matériel, eh bien, enfin, j'ai le matériel, mais il n'allait pas pour ça. Donc, c'est pas grave. J'ai fait, bah, à mon idée, vous savez, à la sauce ici. Voilà, elles sont un peu grandes tes chaussettes, ma chérie. Elles sont un petit peu grandes. Mais ça va le faire quand même. Avec une petite culotte à froufrou. Alors, est-ce que ça va aller? Ouais. Alors, par contre, elle sent la vanille, hein, une lotion de vanille. Attends, j'ai. Hop, mets tes petites jambes comme ceci. Comme ceci. Elle sent la vanille, cette petite puce. Hein, ma chérie? Tu te tiens? Tu tombes pas, hein? Me fais pas ce coup, là. Tu tombes pas, Léa, hein? Non, 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 tu tombes pas. Je vais lui mettre un petit chapeau. Je ne sais pas s'il va lui aller, celui-là. Je ne sais pas. Qu'il va être un petit peu grand. Je crois qu'il est un peu grand ce chapeau.
Attends, faut pas que je t'arrache les cheveux parce que là. Oh bah écoute. Hein, petit marin d'eau douce. Ma foi, regardez. Regardez comme elle est choupinette, ma petite Léa. Elle est trop mignonne. Trop trop mignonne. Voilà mon petit poussin. Regardez. Elle est belle, hein? Allez, on va remonter. Voilà, regardez, regardez comme je suis jolie et que je suis la joie de ma maman. Voilà, donc je lui donne cette totote-là pour le moment et je vais voir comment je fais avec l'autre, si je mets de la colle chaude, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vais faire comme ça. Voilà, bah écoutez, ma petite Léa et moi, on va vous laisser. Elle va aller se reposer et moi, je vais faire pareil parce que je suis un peu fatiguée. Bisous à tous les bébés parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, il y en a beaucoup, ma chérie. Et donc, voilà. Je vous fais des bisous. Regardez comment elle met ses petites jambes. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les lapinettes et les lapinous.